Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc vous avez vu l'intro de vidéo. On a fait une session récemment donc en Belgique avec mon collègue Tony, donc qui fait de la photographie, et aussi Corentin. Donc Corentin qui est un ami qui nous a fait voir plein de spots. Donc on en a fait 5 au total, donc 5 lieux qui vont sortir sur la chaîne YouTube. Donc un truc qu'il faut savoir, c'est que la chaîne YouTube Expo Urbex Officiel, donc elle appartient à moi et à Tony. Donc voilà, elle appartient à nous deux. On vous prévoit vraiment du lourd qui va arriver. Là sur cette vidéo, les lieux que je vais vous présenter dans quelques instants, ils ont été effectués en Belgique. Donc nous voilà, on vient de Normandie, donc on s'est investi un petit peu au niveau du kilométrage, on va dire. Donc plus ça va, plus on commence à faire des spots qui sont vraiment top. Et on essaye de faire un maximum pour que le contenu il soit vraiment intéressant quoi. Donc on remercie beaucoup aussi France 3 donc, qui nous suivent. Ils nous ont fait un reportage et on va sûrement refaire d'autres reportages avec eux dans les prochains mois. Donc on les remercie énormément pour ce qu'ils font. Voilà, donc on n'est pas du tout fermé par rapport aux médias. On est assez ouvert en posant et en fixant des limites par rapport à l'urbex bien sûr. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me donner vos avis dans les commentaires et à vous abonner. Et s'il y a des amis à vous qui aiment Urbex, bah, n'hésitez pas à dire que notre chaîne qui est disponible. Voilà. Donc je vous remercie, je vous laisse apprécier la vidéo et je vous dis à très bientôt. 59 is voor een Franse DJ Mathieu Kos en Never Growing Up. Ik hoop dat je een zalig weekend achter de rug hebt. Dit was sowieso een hoogtepunt daarvan. Lumix en Monster. Faire le tour. Aujourd'hui les amis, nouvelle session Urbex en Belgique. On est actuellement dans une maison abandonnée. On est actuellement dans une maison abandonnée et on va vous faire voir la voiture, une fameuse voiture très connue. Oh là, la cave, mon gars, c'est tout petit. Alors voilà, la voiture elle se trouve juste au niveau de la cave. Il faut pas être gros. Il faut être gros, les gars. Ah, c'est pas là. Oh merde. La voiture elle est pas là? Non. Ah, t'as dit. Montre. Elle devait être dans le sous-sol. Non, je pensais que c'était là. Donc là, on est dans la partie. Parle moins fort. La cuisine. Parle moins fort. Ouais. Ok. Non, on est dans la partie des... Parle moins fort. Non, on est dans la partie de la douche, etc. Là, on a le dress code, etc. Avec encore tout à l'intérieur. Donc, les habits, etc. Il y a une facture. Là. Tu peux éclairer vite fait toute la... J'y arrive même pas. 2009. Tu peux éclairer toute la truc, s'il te plaît. Voilà, donc là on est sur l'intégralité du salon. Oh putain la vache. Ces images ça vraiment. C'est ouf quoi. Je suis pas au voisin des images. Non mais attends, on va faire le tour. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai le seul, j'ai pas trouvé. Non mais attends, on va. Comme vous pouvez voir, il y a encore les clés. Encore des clés à l'intérieur. C'est fou. Toilette. La voiture elle est où? On est dehors, mon avis. Elle est au bout du jardin. Bah, t'inquiète, je prends le jaune. Ah, oh, il y a un étage. Regarde, non. Il y a un étage en haut. Attends, je vais te dire. Le petit bigot, tu l'apprends. Et les amis, voilà, on est sur une voiture magnifique. Il y en a qui ont essayé de la démarrer. Ah, ouais, ça. Oh putain, la vache.
Magnifique voiture. C'est top. Ah oui, voilà, dernière chose aussi que je tenais à préciser, bien sûr. Donc, les liens de la chaîne YouTube de Corentin, donc c'est Rapid Urbex, si vous voulez aller voir. Il a vraiment énormément de spots, donc je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà, parce qu'il fait vraiment du très bon boulot. C'est des diaporamas photos, mais vous pouvez voir, c'est vraiment hyper cool ce qu'il fait. Donc, n'hésitez pas à le soutenir. Voilà, on est là pour ça, il nous a fait visiter des choses, donc c'est normal qu'on lui fasse un petit peu de pub par rapport à ça. Et n'hésitez pas surtout à partager, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et les prochaines vidéos vont sortir très bientôt.